Salut, ben c'est PCM 50. Alors on va se retrouver pour la deuxième saison de la BFM TV avec voilà comme vous pouvez voir les résultats du Tour d'Australie, le premier grand tour de cette deuxième saison avec la victoire de TJ Van Garderen devant Roman Kreisinger, Rigoberto Urán est troisième, Pierre Roland quatrième, mais maintenant il est chez la Sky, hein. Voilà, chez la Sky. La cinquième place pour Jean-Christophe Péraud, Pilak sixième, Valverde septième, Henao huitième, Backlands neuvième. Et Nordoc qui est chez la Lampre, et la dernière il était pas chez. Il était où? Nordoc chez la Belkin, voilà. Belkin. Là il est chez les Lampre. Voilà, on va faire. Et nous on fait une belle 17ème place avec David Monnier, 20ème Colbert Lefranc. Hein. Voilà. C'est un début de saison voilà, avec 81e pour Brian Coca, Alain Donsent 86, 89 pour Arnaud Molmi, Alexis Goujard fait 108e et Germain Basset 128e. On peut voir aussi le classement de la montagne avec Alexis Goujard qui finit 15e, qui a été remporté par Jean-Christophe Péraud. Le classement au point remporté par Mathieu Gosse. Et deuxième, Matteo Bellucci. Et le classement du meilleur jeune. Ouh, voilà, c'est Colbert Lefranc qui remporte ce classement. Je sais pas si on met des points pour. Non, 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 c'est pas ça. Est-ce qu'on met Pro Tour? Je me rappelle plus les points. On va regarder le règlement, le barème des points sur le une grande course. Et tout. Le majeur, Styrax, ça doit être ça, voilà. Alors, des points pour les 10 premiers du classement général. On n'a pas pris de points. À la montagne. 10 premiers aussi, mais je pense pas que ça vous change pas. Ben, voilà. On prend. C'est au Super Prestige là, oui, voilà. Il n'y a que les 10 premiers qui prennent des points. On a peut-être. Non, le meilleur jeune, non, ça marche pas. Voilà. C'est dommage. Alors, il faut qu'on reste dans les deux premiers. Hein. Pour pas redescendre, ce serait dommage. Voilà. Pour pas redescendre. Alors, on va faire un. Les équipes Pro Tour. Ouais. Je voudrais voir toutes les équipes, mais bon. Peut pas voir. Les équipes, voilà. Ça va être là. Les Pro Tour, voilà. Ceux qui sont en Pro Tour. Hein. Voilà, les AG2R, Astana, BFM, BMC, Belkin, Cannondale, Carmine, John Shimano, IAM, Cyclist, Lanlampre, la Lotto, Bélisol, la Movistar, les Omega, les Auriga, la Team Katusha, la Sky, la Tinkoff et la Trek. Voilà les deux qui sont montés, BFM et IAM. IAM, on va regarder. Dans cette équipe, les nouveaux arrivés, je ne pense pas, non, il n'y a pas Mathieu Spring qui est arrivé, mais c'est tout. Voilà, chez AG2R,
Astana. L'équipe Astana. Oh là là, ils peuvent pas me mettre. Astana avec Nicolas Roche qui est arrivé. Geraint Thomas. Voilà. Geraint Thomas. Michael Nicolas Roche. Les BFM, voilà, on sait qui est arrivé. Chez les BMC avec l'arrivée de Johan Bago, mais Philippe Gilbert toujours là, Rui Costa, Samuel Sanchez, Rui Costa voilà qui est arrivé. Ouais, vous pouvez voir Damiano Cunego, une bonne équipe, hein, la BMC a bien recruté. La Belkin avec toujours les mêmes. Michael Nieve. Devait pas être chez Belkin la première année. Anthony Roux. Voilà. Bella. Bon recrutement aussi chez Belkin. La Canandal avec Peter Sagan toujours là. Tanek Gangart qui est parti. De chez Astana. Voilà. Pas de grand changement. Peter Sagan toujours leader. Je pense pour le classement par les étapes, ça va être dur. Hein. La Canandal, ça va être dur. La Garmin Sharp. Garmin Sharp avec Niki Tesfr qui devait être chez les Omega, je crois. Voilà, il était chez les Omega. C'est ce qui me semblait. Voilà la Carmine qui était chez les Omega et voilà. Ouf, oui, chez Omega. Ça veut dire que ils ont recruté pour les pavés l'un des meilleurs hein, sur pavé. Sinon derrière il n'y a pas grand nom. Florian Vachon qui est parti de la Bretagne. Les Yam qui sont montés, pas de grands changements. Pas de grands changements. Plus de Français hein. Dans cette équipe. Je pense que Sylvain Chavanel a dû prendre sa retraite. Cette saison, je vous ferai montrer avant la fin de la saison qui part en retraite. Parce que complètement. J'ai complètement oublié, voilà. La Lamprey avec Nordoc. La Lamprey, ouais. Qui a perdu Cunego et Rui Costa. Il leur reste Elussi, mais c'est tout, hein. Pétac. Là, la Lamprey n'a pas une grosse équipe, un Nordoc, quand même. Chez les Lotto Benissol. Avec pas de grand changement. Krippel. Pour Van der Broek et Van Mark. Non, Van Mark n'est plus là. Non. Ah, si, Van Ander. Mais Van Mark. Si, Van Ander. C'était Jens Van Ander. Je suis trompé. Voilà. Van der Broek pour les étapes. Par étapes. Les courses par étapes, excusez-moi. Alors là, la Movistar toujours avec ses deux stars, Quintana, Valverde, et derrière des bons petits hein. Jeunes, mais bon, on verra. Mais Néron Quintana, voilà. Les Omega avec toujours Marc Cavendish, Martin, c'est une équipe très complète. Hein. Cette équipe Omega, hein. Pas de grand changement. Les Orica avec ouais, toujours des plus des punchers que des équipes qui peuvent faire quelque chose. Simon Clark, Cameron Mayer, Simon Gerrans, voilà. Chez les Jeanne Shimano, la team Jeanne Shimano. Avec toujours ces deux sprinteurs qui sont Degenkolb Kolb et Marcel Kittel, mais derrière pas grand chose. La Katusha avec Dan Martin.
Dan Martin qui sera le leader maintenant parce que Joaquim Rodriguez est parti à la retraite. Daniel Moreno, Spilak. La Sky est toujours avec Froome, mais surtout ils ont recruté Pierre Roland, Thomas De Gendt, Frank Schleck, Wilco Kelderman, une très belle très très bon transfert fait par l'équipe Sky hein, qui sera toujours très très fort. La team Saxo, Tinkoff Saxo avec Roman Kreisinger et Alberto Contador qui baisse petit à petit, mais il y a aussi Machka hein. Maxime Bouet qui est arrivé dans cette équipe aussi le Sebu Velda de la qui était chez le Bretagne Jean Floch qui est vraiment un super coureur, cet Argentin un très très bon coureur. Et il nous reste la Trek qui a perdu ses frères Schleck, qui se retrouve quand même avec Van Garderen, avec Cancellara. Ah non, il en reste encore Andy Schleck. Andy Schleck est là. Danny Van Poppel. Et on va regarder. Je sais plus si je peux voir le classement pour l'instant de. Voilà. Le classement pour l'instant qui est dominé par la Trek. Nous ne sommes pas dedans. Et dans Archive, je pense qu'on peut regarder peut-être le palmarès. Non. Non, on peut pas voir le palmarès du classement de l'année dernière. En 2014, le. Voilà. C'était 2014 avec le vainqueur qui était Chris Froome devant Michel Kwiatkowski, Rui Costa et Valverde. Quatrième, ouais. Il doit en avoir 5, mais bon, c'est pas grave. Chez les Continentales, c'était Machado devant Bétaclin, Coprini, Leopold Conin et Manuel Cardoso. La meilleure équipe, c'était la Sky, la Team Sky, devant la Movistar, la BMC et les Omega. La BFM avait remporté devant la Netap, ce qui est bizarre. Ah, mais c'est au Super Prestige, voilà. Ils étaient montés. Bon, alors cette vidéo va bientôt se terminer et on va pouvoir voir qu'on va se retrouver sur le Paris-Nice. Hein. Ce Paris-Nice que je vais vous présenter hein, avec un départ à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux. Derrière, pour un prologue, derrière nous aurons une arrivée entre Étampes et Chapry. Troisième étape, la Chartre face à Thiers. À Thiers ouais. Une quatrième étape, Thiers-Craponne sur Azon. Cinquième étape, Saint-Péray-Montélimar. Rennes-Toulon avec l'arrivée au Mont-Faron. Ouais, mais c'est à peu près le même que l'année dernière, je crois. L'Acrocan, et voilà, oui, je pense que c'est le parcours de l'année dernière. Ils n'ont pas encore. Pas changer le parcours, voilà. Alors on se retrouvera pour ce Paris-Nice sur bah, deux vidéos qu'il y aura. Notre objectif est quand même de finir de remporter ce Paris-Nice. Alors je sais pas quel est qui est-ce que je vais mettre. On verra. En espérant que cette vidéo vous ait plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était PCM.